Alors aujourd'hui, on est à Montréal, on est au Parc La Fontaine, c'est là qu'on est, et on appelle Suzanne parce qu'on a besoin d'une coiffure, et Suzanne, elle est coiffeuse à domicile, donc pourquoi ne pas l'appeler? Sylvain Chaussé a besoin d'une coupe de poils, donc on appelle Suzanne. On est en direct du Parc La Fontaine. C'est long qu'elle réponde. Oui, Suzanne, bonjour, c'est Sylvain Chaussé à l'appareil, ça va bien? Oui. Enchanté, j'appelle, j'ai vu là, une annonce concernant que vous étiez une coiffeuse. Exactement. C'est ça, j'aurais besoin d'une permanente. Pour un homme ou une femme? Pour un homme, là, pour moi, là. Vous êtes situé où? Moi, je serais le Tracy. J'ai des questions avant, là, parce que c'est pas tout le monde, on s'entend, qui fait des mises en plis puis des permanentes. Là. Vous êtes bonne là-dedans. Là. Ben, ça fait 25 ans que j'en fais, j'imagine que ça va être pour pire. Ok, parce que moi, j'étais un peu gêné de vous demander ça, là, mais j'ai une coupe assez spéciale à faire. Je vous explique, c'est qu'habituellement, c'est ma mère qui me fait ça. Là, elle est partie 2 semaines en Jamaïque. Mais en gros, habituellement, elle fait une coupe de poils au niveau du pubis. Je sais pas si vous... Vous pouvez faire ça, là? C'est qui qui parle? C'est Sylvain Chaussé à l'appareil. Ah, de pas toi que je fasse ça, tu penses? Pardon? De pas toi que tu penses que je fais ça? Ben, honnêtement, là, je pense que j'aurais besoin d'un choix de réponse. Mais pas moi, non! Ah, mais votre choix de réponse, c'est non? Bon. Je me suis essayé, on sait jamais. Je vais demander à ma grand-mère. Ben, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus. La dame m'a raccroché. Je comprends pas pourquoi Sylvain Chaussé se fait raccrocher. Je m'en allais lui dire... je vais te laisser là-dessus. Je vais aller étendre du caramel sur ma dinde. Délicieux.